Bonjour à tous. Quel est le meilleur moment pour faire du sport? Quel est le meilleur moment pour reprendre une activité physique? Quel est le meilleur moment pour reprendre le sport? Je vais vous raconter une petite histoire. Je lance dans quelques jours ici le nouveau cours ici au studio avec sangle de suspension. Et on m'appelle hier, quelqu'un qui m'appelle pour avoir des renseignements. Donc je lui donne tous les renseignements, je lui dis je mets un nouveau cours en place avec sangle de suspension, c'est un programme de musculation complet, on travaille bien la sangle abdominale, c'est vraiment un cours d'une heure, etc. Puis il me dit super, c'est vraiment ce que j'attendais, ça m'intéresse, mais je vais commencer en septembre, car pour l'instant ça sert à rien. Pour un petit peu vous situer, on est au mois de juin ici, on est au début juin. Donc il me dit je vais commencer en septembre, commencer maintenant, ça ne servira à rien. Bon, bref, on continue à discuter. Et puis, je lui dis également que je fais du coaching, etc. Lui, il me raconte un petit peu son histoire, ses objectifs. Il me dit qu'il est prof d'histoire, justement. Et puis là, je rebondis. Puis, je lui dis, t'es prof, je voudrais te poser une petite question. Moi, j'ai mon gamin. Mon gamin, il a 5 ans. Et puis, en ce moment, il a envie de lire. Il a envie d'apprendre à lire. Alors, je lui dis, est-ce que je dois attendre septembre? Alors il me fait « Ah non, surtout pas, s'il a envie de lire, il faut en profiter, c'est une fenêtre ouverte, faut l'encourager, vraiment, faut y aller. » Et puis là, je rebondis, je lui dis « Tu sais, dans le sport, c'est pareil. Le meilleur moment pour faire du sport, c'est maintenant, c'est pas en septembre. » Ça, ce sont des fausses croyances. On croit qu'il faut attendre septembre ou alors janvier pour faire du sport. Pas du tout. Le meilleur moment pour faire du sport, c'était déjà il y a 10 ans. Le meilleur moment pour faire du sport, c'était l'année dernière. Le meilleur moment pour faire du sport, c'était hier. Le meilleur moment pour faire du sport, c'est maintenant. Vous allez déjà prendre une longueur d'avance pour ceux qui vont démarrer seulement en septembre. Le corps, il a une mémoire. Même si vous faites que 2, 3, 4 ou 5 séances, vous allez arriver en septembre. Vous allez savoir comment le cours se déroule. Vous savez comment placer vos sangles. Hop, le muscle a une mémoire. Donc tout de suite, il va mémoriser les exercices. Et on démarre, on prend une longueur d'avance. Comme mon gamin, il va arriver en septembre, peut-être ou pas, d'accord? Et puis, il aura déjà des petites notions de lecture, on lui aura déjà donné le plaisir à lire. Donc voilà, je vous laisse méditer un petit peu là-dessus. Jean, alors je l'appelle Jean, il ne s'appelle pas Jean, mais du coup, il vient au lancement ici déjà la semaine prochaine avec sangle de suspension, il va déjà démarrer maintenant. Le meilleur moment pour faire du sport, le meilleur moment pour reprendre une activité physique, c'est maintenant. Je vous laisse méditer là-dessus. N'hésitez pas à me laisser un petit peu vos commentaires, à vous aussi à me dire ce que vous en pensez. Allez, moi je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.